Jérémie Heitz is one of the world's fastest freeriders. The skills he learned in race training are now the bedrock of his rare talent. But he will also need strength of mind if he is to be crowned Freeride World Tour champion. Alors, bienvenue dans mon bureau. Moi, j'aime bien faire les skis à la main plutôt qu'à la machine parce que ça fait partie de la préparation mentale. Et je trouve que c'est super important de savoir qu'on a du matériel préparé et du matériel top au pied. C'est des petits détails qui font finalement la différence après, je pense. J'essaye tout le temps de faire les deux en même temps, mais c'est la coordination que j'arrive pas encore. Alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent un peu si j'aime vraiment la vitesse, si je le fais vraiment pour marquer des points en compétition, ou si finalement j'ai eu un déclic un jour. Mais je pense que ça vient vraiment du ski de compétition. Ça s'est passé entre les piquets, sur la piste. Et ils m'ont appris à déclencher un virage, à faire vraiment la technique du ski correcte. Et je pense que ça vient de là. Quand j'ai commencé ici aux Marécottes avec les copains, c'était le premier en bas au télésiège. Donc la vitesse, elle a tout le temps fait partie intégrante de l'évolution que j'ai eue dans le ski. En fait, chaque saison commence en chasse-neige, puis après, ça vient dans l'axe. What Jérémie really is he's fit, he's super fast, and he's super motivated. Three things that you combine together and you have one of the most talented skiers on the world. Je pense que j'ai trouvé ma voie, en tout cas mon style de ski. Et non, mais c'est clair que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, déjà en montagne. Donc il y a tout ça, et savoir prendre les décisions au bon moment. Il y a vraiment l'aspect expérience en montagne, que je suis vraiment au tout début de l'apprentissage, je pense. Et puis en termes de ski pur, technique de ski, moi j'utilise vraiment la compétition pour ça. C'est pour me pousser sur mes skis. Incroyable! Allez, tourne! Quelle liste de fous! Extraordinaire! Je prends vraiment le temps de choisir tous les passages techniques et j'essaie vraiment de choisir précisément là où je vais passer. Et c'est ça qui fait que je peux skier rapidement ces lignes. Mais c'est clair que c'est très mental. Et puis maintenant, moi j'ai une espèce de routine. Donc j'essaye de faire des choses vraiment dans un ordre. Je suis assez pointilleux là-dessus. Je suis assez suisse, je pense, sur la préparation de ça. Le repérage en freeride, en tout cas, c'est primordial. Donc il faut tout le temps avoir, je pense, un peu de retenue pour pouvoir justement être capable de réagir s'il y a des choses qui se passent mal. Surtout la compétition, pas vraiment le couteau entre les dents, mais plutôt skier avec la tête et intelligemment, et choisir des lignes qui me font plaisir et puis des lignes que je vais être sûr de pouvoir skier comme j'ai envie de les skier. Donc c'est pas du ski à 200%, c'est aussi, je pense, pas mal de ski avec la tête. Bon, bah là je crois qu'il y a un peu trop de questions, il faut que je finisse tous ces skis pour aller skier quand la neige arrivera. Donc si vous pouvez partir, ça me ferait plaisir. Merci.